Romains au chapitre 8. Versets 28 à 30. Ça va pour chacun d'entre vous? Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? On y va, 1, 2, 3. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Éternel, je mets une demande au devant du trône de la grâce. Donne-moi la capacité, la force d'apporter ta parole. Je diminue devant ta face afin que tu croisses. Sers-toi de moi comme un instrument, comme un vase d'honneur entre ta main, pour faire connaître ta pensée. Relâche par moi ta puissance. Guéris les malades. Instruis ton peuple. Que les chaînes de la captivité soient brisées. Et que chaque plan concernant toute personne ici présente soit pleinement réalisé au nom suprême de Jésus. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit le triomphe, aujourd'hui à jamais, au nom suprême de Jésus. Nous avons prié et que quelqu'un dise amen trois fois. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème du message de ce matin, c'est « Tu es le plan de Dieu ». Lève ta main droite vers le ciel et dis « Je suis le plan de Dieu ». Alléluia. La Bible dit, nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que notre appel dans le royaume des cieux correspond à un plan arrêté. Ils sont appelés selon son dessein. S'il y a une vérité fondamentale que chaque enfant de Dieu devrait avoir comme révélation dans son homme intérieur, c'est celle-ci. Ma vie n'est pas un hasard. Lève ta main droite et dis, ma vie n'est pas un hasard. Encore, ma vie n'est pas un hasard. Vous voyez, tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. La Bible dit, que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et donc, si tu es le plan de Dieu, ton échec, tout comme ta réussite, laisse un certain impact au ciel. Ceux qui sont le plan de Dieu et qui échouent laissent un impact négatif. Ceux qui réussissent dans l'accomplissement des desseins arrêtés à leur égard laissent un impact positif. Et je déclare sur ta vie que ta vie réjouira le ciel au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Vous voyez, quand on a compris cette vérité profonde, alors nous saisissons ceci, le temps qui passe ne change pas le plan que Dieu a arrêté. Non. Est-ce que vous voyez? Le temps qui passe ne change pas le plan que Dieu a arrêté. Non, 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 non. Non. Et en Dieu, il n'y a pas de plan B. Il y a un plan. En ce qui te concerne, il n'y a pas deux. Il y a un plan. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Dieu dit dans sa parole, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestiné. Alors, il est important de comprendre ceci. Dieu a connu, Dieu t'a connu avant que tu ne naisses. Il te connaissait, il t'a connu d'avance. Donc, je dois savoir que j'ai existé avant de naître. Pourquoi êtes-vous silencieux? J'ai existé avant de naître. Est-ce que ça va? Donc, ma naissance n'est pas le début de mon histoire.
Non, mais c'est la révélation au monde naturel d'un plan de Dieu qui se met en marche. Enlève ta main droite vers le ciel. Dis, je suis le plan de Dieu en marche. Dis-le encore avec foi, je suis le plan de Dieu en marche. Vous voyez, il dit ce qu'il a connu d'avance. Vous voyez, souvent nous pensons que le fait que notre grand-mère et notre grand-père se sont rencontrés, c'était un hasard. Non, si pour eux c'était un hasard, pour Dieu c'était une orchestration, c'était une planification, c'était un agencement qui était mis ensemble parce qu'ils savaient que de là, tu devais naître. Donc il n'y a pas de hasard en Christ. Je ne crois pas au hasard. Les gens qui croient au hasard deviennent eux-mêmes les artisans de leurs propres échecs. Je ne crois pas au hasard. Je ne suis pas au hasard et je ne le serai jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit ce qu'il a connu d'avance. Eh bien aimé, écoutez-moi attentivement. Quand j'ai découvert ça, ça m'a changé. J'ai découvert que Dieu a créé tous les hommes le même jour et qu'il n'a pu créer personne depuis qu'il a terminé de créer. La Bible dit dans le livre de Genèse, et Dieu se reposa de son œuvre. Vous voyez, il a que se reposer de son œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé Adam, Abraham, Isaac, David, Élisée, Élie, Jonas, Jean-Baptiste, Marie, Esther, le même jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu n'est plus dans le ciel en train de refabriquer des pièces de rechange pour envoyer sur la terre. Non, il a déjà tout créé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sauf que, dans sa sagesse infinie, il a choisi de ne pas manifester dans le temps tout ce qu'il a créé dans l'éternité en même temps. D'accord? Il a donc fait ce qu'on appelle un calendrier prophétique. Quelqu'un dise calendrier prophétique. Et dans le calendrier prophétique, il a divisé en saisons. C'est pour ça que quand il a mis la lune et le soleil, il a bien dit, c'est pour séparer les époques, marquer les époques et les temps. Donc Dieu le maître des temps et des circonstances. Donc il a su qu'il allait avoir l'époque de la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, du gouvernement humain, de la promesse, de la loi et de la grâce. Et même le millénium à l'enlèvement, il le savait. Et il a orchestré la venue des hommes selon les dispensations et les saisons. Vous voyez? Donc, quand on a compris ça, on se rend compte que même quand Adam venait, je savais que j'arrivais. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Amen! Je le savais. Donc, voyez, il t'a connu d'avance. Souvent, nous pensons que c'est nos prières. Oh Dieu, rends-moi grand. Oh Dieu, rends-moi fort. Oh Dieu, rends-moi puissant. Oh Dieu, rends-moi riche. Que non, c'est une histoire écrite. Vous voyez le script de ton histoire. Il y a une histoire écrite par la main de Dieu te concernant. Il t'a connu d'avant. Maintenant, écoutez-moi attentivement. J'aime la science parce qu'elle constate le miracle de Dieu, mais elle ne peut pas souvent l'expliquer. Et des choses pareilles arriveront à ton égard. Laisse-moi te dire, je vais encore te redire. Les choses qui vont prendre place dans ta vie. Même ta mère va commencer à te demander, dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose de bizarre? Je te dis la vérité. Je vous dis une chose, je sens cette tension sur ma vie à ce culte. Est-ce que vous comprenez? Je te dis, tu vas voir des choses. Je dis, tu vas voir des choses. Tu n'as encore rien vu. Tu vas voir des choses. On parle de Dieu. Ce n'est pas une affaire, on est venu à l'église simplement pour remplir le dimanche. Non, c'est une rencontre avec le Créateur. Un moment d'adoration avec le Très-Haut. Ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu. Vous savez, la science nous explique que quand un homme et une femme ont un rapport sexuel et que les spermatozoïdes de l'homme, l'éjaculation est faite, il y a environ 1,5 milliard, 2 milliards, 2,5 milliards de spermatozoïdes qui font une migration vers l'ovule. Et chaque spermatozoïde est un potentiel humain. C'est-à-dire que dans le ventre, il y a environ 2,5 milliards de personnes qui peuvent devenir hommes. Je ne sais pas si tu as pensé à ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a 2,5 milliards qui peuvent devenir hommes ou femmes qui sont dans le ventre. Et la Bible dit, c'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, 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 avant que tu ne sois dans le ventre. Ça veut dire quoi? Qu'il était d'abord au ciel et il quitte du ciel pour entrer dans les spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes, il va vers l'ovule. Il dit, mon gars, écoute, avant que tu n'y sois, je te connaissais. Ah! Amen. Est-ce que vous comprenez?
Amen. Il n'a pas choisi tous. Pourquoi? Parce que il y a, la Bible parle des avortons. Dieu même sait qu'il y a des gens qui sont des avortons. Mais il y a des gens comme moi. Si la mère essaye d'avorter, elle ne peut pas. Il y a des gens qu'on n'avorte pas à cause de la destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce qu'elle comprend d'où je dis? C'est important. Est-ce que vous me comprenez? Et donc cette nuit-là ou ce soir ou n'importe quand, il y a eu donc ces spermatozoïdes qui sont partis en masse vers l'ovule. Migration dans les trompes, course à vitesse. Papa, papa, papa. Et vous voyez environ 2 milliards de personnes dans un ventre en train de migrer. Le ciel regarde et le ciel dit de ces 2 milliards et demi de personnes, j'ai choisi quelqu'un. J'ai choisi une dame. Alléluia. Et ce jour-là, la main de Dieu descend dans le ventre de ta mère. Et l'onction tombe sur toi. Bam! Et le spermatozoïde commence une ascension un peu plus grande et entre en premier et l'ovule se referme. C'est pour ça que tu es né. Parce que Dieu t'a connu d'avance. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Écoute-moi très bien. Dieu ne peut pas te donner de naître pour te faire souffrir. Je reprends. Dieu ne peut pas te donner de naître pour te faire souffrir. Si tu es né, c'est parce qu'il y a une histoire merveilleuse. Il t'a connu d'avance. Donc il y a un plan. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un plan. Bien-aimé, quand je l'ai découvert, j'ai décidé de vivre le restant de mes jours pour réaliser le plan. Rien d'autre, il y a un plan. Il a connu d'avance. Parce qu'il a connu d'avance, il t'a prédestiné. Ça veut dire quoi? Il a préparé d'avance une destination finale. Amen. Il a préparé d'avance une destination finale pour toi. Et donc, à partir de cet instant, ma Bible dit donc, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi attentivement. Et c'est là où les religieux n'ont pas bien compris, où les personnes en manque de révélation n'ont pas compris. Non. Tu peux être un homme de destinée, une femme de destinée, et passer à côté de ta destinée pour une seule chose. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. La seule chose qui oblige le ciel à faire concourir tous les événements en ta faveur, c'est ton amour pour Dieu. Vous voyez? Aimer Dieu. Vous savez que pendant longtemps, je me demandais, mais pourquoi est-ce que les gens prient n'ont pas de résultats? Pourquoi les gens jeunes n'ont pas de résultats? J'ai même vu des gens donner des maisons à l'église, ils n'ont pas de résultats. Donner des voitures, ils n'ont pas de résultats parce qu'ils n'ont pas d'amour. La Bible dit que même si je donne mon corps, vous voyez, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc la clé, c'est l'amour. Vous savez qu'on peut donner parce qu'on s'aime, pas parce qu'on aime. On peut donner parce qu'on s'aime, pas parce qu'on aime. Je peux lire la Bible et préparer mon message, pas parce que j'aime le peuple, mais parce que je m'aime. Je veux être populaire. Je veux qu'on dise que je suis un grand homme de Dieu, qu'on parle de moi partout. Je veux la popularité, je veux la réputation, je veux le succès. Mais est-ce que j'aime Dieu? Vous voyez, est-ce que j'aime Dieu? L'amour de Dieu devrait être la clé de tout. Vous voyez, l'amour de Dieu. Et il dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Donc, et qu'ils soient appelés selon ses desseins. Maintenant, j'ai pris le temps d'étudier juste ce verset. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bien-aimé, regardez ce que Louis II dit. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Louis II révisait dit, toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, tout ce qui arrive coopère. Vous vous rappelez de Jonas, même le poisson qui a appris à coopérer pour son bien le vomissant en Ninive. D'accord? Darby dit, toutes choses travaillent ensemble. Toutes choses travaillent ensemble avec Dieu pour le bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord? C'est ce que Darby dit. Regardez ce que la Bible amplifiée, une Bible anglophone, dit. Nous sommes assurés et nous savons que Dieu étant leur partenaire dans leur labeur, toutes choses concourent pour le bien, pour le bien. Et cela correspond à un plan en faveur et pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, il y a deux choses. Il y a aimer Dieu et être appelé selon ses desseins. Donc, je peux être appelé selon les desseins de Dieu et ne pas aimer Dieu. À partir de cet instant, toutes choses ne concourent pas à mon bien.
D'accord? Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans la parole vivante. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Oula, oula, oula. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Ça veut dire que quand quelque chose arrive à quelqu'un qui aime Dieu, cela provient de son intention bienveillante. Pas simplement le bien, mais même le mal. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Allez demander à Jésus-Christ, puisque nous sommes appelés à être semblables à Christ. Quand il est né, s'il devait choisir où naître, il serait allé naître dans une 7 étoiles. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est né dans une étable. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Mais la Bible dit toutes choses qu'on coupe le bien de ceux qui aiment Dieu. Il était dans l'étable pour que s'accomplisse ça la parole de Dieu. D'accord? Ce qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenu la principale langue. Bien-aimé, le Dieu prend plaisir à cacher ce qu'il fait pour le révéler avec le temps afin d'étonner la mentalité des hommes et de démontrer ainsi que quand il en plan, ce plan ne peut être que glorieux. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Les belles histoires dans le royaume ne commencent pas toujours bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Les belles histoires ne commencent pas toujours bien. Donc reste calme, tiens au contrôle. Vous imaginez un seul moment, la mère de Jésus, le père de Jésus, portant Dieu et fuyant avec lui, devant Pharaon, que Dieu peut simplement faire comme ça et puis il tombe. Ce Jésus, c'est les orchestres célestes sont venus chanter la louange à sa naissance. Les orchestres, c'est-à-dire celui qui était au piano, ce n'était pas un homme, c'est les anges qui ont joué une mélodie céleste pour souhaiter bienvenue sur la terre. Vous comprenez? Donc pour chasser par Pharaon, Dieu peut détruire cette armée en un clin d'œil, mais il le fait. Pourquoi? Parce que c'est l'illustration parfaite de la vie d'un homme sur terre. C'était Dieu. Vous voyez? Donc, ce que les gens voient aujourd'hui te concernant, ils n'ont pas tout vu. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit, ils n'ont pas tout vu. C'est pour ça que je veux vous demander, faites des photos. Faites des photos de là où vous êtes. Faites des photos de l'étable qui vous garde. Faites des photos. Bien aimé, écoutez-moi attentivement. La royauté n'est pas déterminée par le palais, mais par le roi. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Si un roi vient dans une maison, on l'appelle palais. Si un brigand vient dans un palais, ce n'est plus un palais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que je peux voir la main des rois et des reines dans cette assemblée? Alléluia. Je déclare sur ta vie que le meilleur du ciel se fera voir. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé, vous savez, nos histoires avec Dieu sont souvent des histoires étonnantes. Regardez dans la Bible. Comment est-ce que le monde commence? La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ce n'est pas parce que c'est informe, c'est pas parce que ton compte bancaire est vide que ton histoire ne sera pas belle. Elle était informe et vide. Mais il y avait des ténèbres à la surface, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez? Donc la gloire de Dieu prend le fondement sur l'adversité. D'accord? L'adversité, c'est le berceau qui porte justement le miracle divin. C'est pas parce qu'il y a des ténèbres que l'histoire ne sera pas belle. Non, reste calme. Reste calme. 2016 est en train de te rapprocher davantage de ce que le ciel t'a réservé. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Donc, n'aie pas peur des années qui arrivent. Ne sois pas angoissé. Ne panique aucunement. Le ciel travaille en ta faveur. Alléluia. Donc, je voudrais te demander avec insistance, comme instruction première, de dépasser ton passé. Dis à ton voisin, dépasse ton passé. Encore, dépasse ton passé. Il est écrit dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est écrit? Ne pensez plus aux événements passés. Voilà le grand piège que les enfants de Dieu ont. On passe notre temps à penser au passé. Ne pensez plus aux événements passés. On n'a pas dit aux échecs passés. On n'a pas dit aux succès passés, mais on a dit un événement. Dans le royaume des cieux, la foi regarde au futur pour agir au présent.
Celui qui regarde au passé pour agir dans le présent n'agit pas par la foi. D'accord? J'ai vu beaucoup de personnes penser que parce que leur passé n'était pas glorieux, alors leur avenir... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Certaines, il m'est arrivé quand j'étais plus jeune de penser que si j'étais né dans une famille d'un homme extrêmement riche, ma vie aurait été facile. Quand j'ai découvert le Seigneur, je me suis rendu compte que je serais passé à côté de ma destinée. Parce que tel que j'ai été conçu, tel que j'ai été fait, selon les valeurs qui sont à moi, il n'y a pas une autre mère sur la terre qui pouvait me porter. La mère que Dieu m'a donnée, c'est la meilleure des femmes qui existent pour moi. Le teint que j'ai, c'est le meilleur des teints. Le continent où je suis né, c'est le meilleur des continents. Donc je n'ai vraiment pas à chercher autre chose parce que lui, il connaît le plan. Que quelqu'un lève sa main et dit, je reçois. Je vivrai le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Donc ne considérez pas les événements passés. Quels sont les traumatismes qu'il y a eu? Quels sont les échecs passés? Dépasse-les. Dépasse-les. Vous savez, on a tous une raison de se plaindre. Jésus pouvait bien dire, Dieu ne m'a pas tout mis à disposition pour que je réussisse ma mission. Mais, vous savez, Dieu prend l'indigent de la boue. Il prend les choses faibles. C'est comme ça qu'il travaille. Donc, laisse-moi te dire ceci. Ton futur ne ressemblera pas à ton passé. Il faut dépasser ton passé. Amen. C'est important. Ne laisse pas les choses, vous voyez, te miner. D'accord? Tes échecs du passé. Commencer à museler ta foi, t'empêcher de croire en notre Dieu capable de choses extraordinaires. Non, pas du tout. J'ai dit bien, pas du tout. Je te montrerai dans les Écritures comment est-ce que Dieu s'est servi de nos pères. Et comment est-ce qu'aujourd'hui encore, il fait des choses fabuleuses, des choses exceptionnelles, en méprisant et en ridiculisant ton passé, juste pour montrer qui il est et de quoi il est capable. Donc, dépasse le passé. Je parlais à certains pasteurs, je suis allé pour célébrer les 30 ans d'une église. Et donc, comme j'ai pris la parole devant une pléthore de pasteurs, et je leur ai dit, le drame de certains d'entre nous, c'est que nous vivons dans notre passé. Oh, hier, quand je levais la bouche, j'ouvrais, les gens tombaient. Je faisais, les gens étaient guéris. Dieu n'est pas un Dieu d'hier. Pourquoi est-ce qu'on passait tout le temps à raconter, non, à l'époque, quand j'étais ici, quand j'étais chef d'entreprise, à l'époque, quand j'étais un grand homme d'affaires, à l'époque, non, laisse ton époque. Laisse l'époque. Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de plus grand. Dépasse les choses, passe. Et je vais plus loin te dire ceci. Chaque fois que Dieu t'a amené en stade, à un niveau, à une dimension, ce qui arrive est plus grand. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Il t'amène à une autre dimension plus élevée. Donc détache-toi de ton passé. Il m'est arrivé de prêcher des messages à une jeune gens, jeune prédicateur de l'évangile, et je me suis demandé comment j'allais faire demain. Tellement la gloire est descendue. Mais j'ai appris une chose avec Dieu. Il faut dépasser le passé. Les choses qui arrivent sont plus grandes. Vous allez me voir servir Dieu comme vous ne l'avez jamais vu avant. Une onction plus grande qu'avant. Des messages plus percutants qu'avant. Pourquoi? Parce que je dépasse le passé. Allant à la quête des choses plus grandes et plus glorieuses. Lève ta main droite et dis, ça c'est mon partage. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Pourquoi on dépasse le passé? Parce qu'il dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. D'accord? Il dit, et elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ah, ça c'est mon Dieu. Et il dit, des fleuves dans la solitude. Et il dit, quand apparemment, il semble n'avoir pas de chemin. Quand apparemment, toutes les portes semblent être fermées. Et que tu te dis, tout le monde m'a abandonné. Mon avenir est arrêté. Je n'ai plus aucune raison naturelle de continuer de croire. C'est en ce moment qu'il dit, je vais me montrer à toi pour te montrer de quoi je suis capable. Je mettrai un chemin dans le désert. Je déclare sur ta vie une porte ouverte par la main de l'Éternel dans la solitude de ton désert. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien-aimé, si Dieu prenait le temps de t'expliquer tout ce qu'il allait faire, il n'était plus ton Dieu. Non, ne prends pas qu'il ne pense pas qu'il doit tout expliquer. Non. Il est ton... Non. Il va te surprendre. Vous savez, c'est ça Dieu. D'accord? Quand tu t'arrêtes et que tu te dis tout est terminé, c'est là que tu verras la main de Dieu intervenir. Ouvre une porte. Ce sera ton partage. Amen.
dans tes affaires, dans ton travail, dans ton mariage, avec tes enfants. Je déclare, ce sera ton partage. Dans tes entreprises, je déclare, ce sera ton partage. Amen. Tu verras la main de Dieu intervenir. Dans ton école, ce sera ton partage. Amen. Cela, ça arrivera. Dis amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. 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 Quels sont ceux qui croient qu'ils sont nés pour faire des exploits? Alléluia. Amen. Amen. Lève ta main droite, dis, je suis né pour faire des exploits. Sur la terre des hommes. Amen. Donc la première chose, dépasse ton passé. Il faut le dépasser. D'accord? Il faut dépasser le passé. Ne permets pas vraiment à ton passé de te faire rendre prisonnière. Je parle femme, dépasse ton passé. Laisse cette histoire. Oui, tu ne le connais pas. Mon mari, c'est un Mike Tyson. Dépasse ton passé. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Papa, c'est pas moi, nous on est maudits depuis 1000 générations. Dépasse ton passé. Je te garantis que cette année, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose d'inhabituel. Dépasse ton passé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Papa, je n'ai jamais réussi. Ça n'a jamais marché avec moi. Dépasse ton passé. Est-ce que tu comprends? Tous les hommes que j'ai rencontrés, à la dernière minute, ils m'ont toujours laissé. Dépasse ton passé. Car cette saison, le ciel annonce qu'il y aura une percée miraculeuse. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, cette année, j'ai pu vous le dire avec la foi la plus entière, que Dieu va surprendre quelqu'un parmi nous. En lui accordant des exploits par des percées miraculeuses. Amen. Je te dis, Dieu va surprendre quelqu'un parmi nous. Amen. Et la clé, bien-aimés, soyez fous et folles de foi pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a rien que Dieu ne soit capable de faire. Et je veux, j'entends même Dieu me dire qu'il a envie de se saisir de la foi de certains d'entre nous pour émerveiller cette génération. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne pouvez pas avoir Dieu pour allier et être minable. Ce n'est pas possible. Non. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On sert un grand Dieu. Le temps me manque pour parler de moi-même. Ce que je vous dis est vrai. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui étonne. Est-ce que ça va? C'est un Dieu qui étonne. Je dis bien. Si on te prend et on te met dans ton futur maintenant, on te met 5 ans en devant, tu auras une crise cardiaque. Tu ne vas pas tenir. C'est-à-dire que tu vas tomber évanoui. Imaginez qu'on me prenne en 2000. Quand j'arrivais à 1999-2000, j'arrivais à Abidjan. On me met maintenant, mon cœur s'arrête. Je vous garantis. 15 000 francs de salaire mensuel. Moi, mes parents spirituels ont dit, la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas y réussir, il est trop cher comme pays. On va choisir un autre petit pays pour t'y envoyer. Le ciel ne tient pas compte des paramètres normaux et naturels. Quand Dieu t'appelle à le servir, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il prend lui-même le plaisir de te mettre face aux responsabilités que même ta tête ne sont pas capables d'expliquer comment est-ce que ça se fera. Je déclare sur ta vie l'accomplissement de ses plans au nom suprême de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. L'argent ne te fera jamais un défaut. Les ouvertures, les connexions, les rencontres, la royauté, les ascensions dans tous les domaines. Je déclare que cela sera ton partage au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je sens au fond de moi que nous allons rire cette année. Je dis, nous allons rire cette année. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous allons rire cette année. Amen. Alléluia. Nous allons rire cette année. Amen. Parce que cette année, ceux qui ont passé le temps à pointer du doigt le programme que tu traversais seront les spectateurs du miracle que le ciel accomplira. Alléluia. Hey! Est-ce que vous imaginez un seul moment les gens qui sont venus chez Elisabeth pour donner les cadeaux à la naissance de l'enfant? L'homme avait eu la bouche fermée. Mais quand l'enfant est né, sa bouche s'est déliée et c'est la bouche des adversaires qui s'est fermée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu est sur le point de faire des choses qui vont fermer la bouche de tes ennemis. Ils vont venir chez toi, ils vont regarder l'enfant. Ils vont se dire comment ça a été possible. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël sera avec toi pour accomplir dans ta vie des merveilles. Quelqu'un dise Alléluia. Quelqu'un dise Alléluia. Je sens la gloire de Dieu dans cet endroit.
Je sens la présence de Dieu dans cet endroit. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise encore un bon amen. Vous voyez, qu'est-ce que la Bible dit au verset 32 de Romains 8? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit qu'il n'a pas épargné son fils. Il t'a donné son fils. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous savez, il y a un évangile mensonger, subtil, né du parfum de la loi, puisque la loi a fauté la grâce, et souvent on ne arrive pas à faire la différence, qui font penser aux gens qui doivent se préparer pour que l'enlèvement ait lieu, Jésus revient bientôt, soyez prêts. C'est pantatique. Et les gens font là tout le temps, ils lèvent les yeux au ciel, Jésus, tu es où? Non. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est parti. Tout le monde était là, oh Jésus, tu es monté, alléluia, nous aussi on va monter. L'ange est venu pour dire non, vaquez à vos tâches. Vaquez à vos tâches. Bien-aimé, est-ce que tu sais que ton nom est écrit dans le livre de vie? J'ai un ami pasteur qui a été enlevé au ciel et il a trouvé les villas construites. Dieu lui a dit, c'est prêt. Est-ce que vous êtes, certains d'entre vous, on se salue ici, mais au ciel. Quand vous allez voir ma maison, vous allez dire, waouh, ce gars, il était riche. Parce que c'était balèze. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas trop loin de l'apôtre Paul. On n'est pas loin. Les quartiers ne seront pas les mêmes. On habitera des quartiers différents. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Mais tout ça, ce sera dans la gloire. Maintenant, sur la terre, nous devons travailler et impacter pour les récompenses célestes. Quelqu'un dise amen. Jésus n'est pas venu nous chercher pour nous amener au ciel. Non, non, non. Ce n'était pas la mission première. Il est venu restaurer notre impact sur la terre. Parce que si nous amenons au ciel, il demande que Satan est plus fort. Qu'on ne peut pas faire ce qu'il nous a demandé de faire. Tes ennemis seront présents devant toi. Et tu seras là. Et ils vont venir. Ils vont craindre qu'ils te combattent. Alors qu'eux-mêmes, ils te portent pour te faire asseoir sur ton trône. Que quelqu'un dise amen. Allez demander à Joseph quand ses frères l'ont vendu. Ils pensaient qu'ils étaient en train de museler sa destinée. Mais la Bible dit toutes choses coopèrent. Quelqu'un dise coopération. Quelqu'un dise coopération. Bien-aimé, j'ai vu qu'il y a des organismes de coopération nord-sud, etc. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je parle de coopération céleste-terrestre. Où il y aura une coopération du ciel pour tout sur la terre. Pour t'amener à atteindre tes objectifs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton ennemi pensera qu'il a mis fin à tes jours. Mais Dieu se révélera de façon puissante et grande. Quelqu'un dise amen. Alléluia. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont emprisonné, mais son rêve n'a jamais été emprisonné. Personne ne peut emprisonner le plan de Dieu. Personne ne peut l'emprisonner. Il n'y a aucune prison qui peut arrêter ce plan. Personne. On peut emprisonner le vase, mais pas le plan. Et je vais vous dire, Anti, écoute, oh là 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 là. Je viens de l'entendre. En fait, ce n'est pas Dieu qui te sort de la prison. C'est ton plan. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ce n'est pas Dieu qui te sort de la prison. C'est le plan que Dieu a pour toi qui te sort de la prison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Lève ta main vers le ciel et dis, Dieu a un plan pour ma vie. Alléluia. Amen. Qui est ce petit diable pour penser qu'il va l'arrêter? Si Dieu a pu l'accomplir au travers du premier des pécheurs que je suis, si on donnait des diplômes dans le péché, j'allais être agrégé. Si Dieu a pu le faire, au moindre des hommes que je suis, à plus forte raison de toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton histoire, je dis bien ton histoire, personne ne pourra museler. Est-ce que quelqu'un comprend? Lève ta main droite, dis Seigneur, je crois que cette année encore, je verrai ta gloire de façon exceptionnelle au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, revenons à quelque chose que j'ai dit, j'en suis sûr, beaucoup d'entre vous ne l'avez pas compris. Votre corps est un voile.
qui cache le réel vous. Prenez vos Bibles maintenant. Allons-y. Au-delà de l'excitation, allons à la révélation. 2 Corinthiens 5, verset 16. Alors que Dieu vous donne d'avoir accès à ce palier. Vous ne pouvez pas connaître ce qui va suivre et rester la même personne. Impossible. 2 Corinthiens 5, verset 16. 16 à. Il est écrit. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Qu'est-ce qui est écrit? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit? Très bien. Alors, je vais vous poser une question. Comment est-ce que tu t'es appelé avant la nouvelle naissance? Quel est ton nom? Béatrice. Béatrice. Lève-toi, s'il te plaît. Béatrice. Ça, on l'a connu selon la chair, Béatrice. Mais la Bible dit maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ta mère a connu Béatrice. Comme Marie a connu Jésus. Mais il y a une autre dimension. Parce que dans l'acte de naissance de Jésus, il n'y avait pas Christ. C'était Jésus, mais il n'y avait pas Christ. Mais quand il y a eu la rencontre de cette personne avec le Saint-Esprit, dans la nouvelle dimension, Christ a été ajouté, c'est-à-dire loin, qui était donc l'identité du mandat qui était assigné à la personne cachée dans le voile de sa chair. Ça veut dire qu'en toi se cache quelqu'un d'autre que ta mère n'a pas connu. Regardons le verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? À haute voix, s'il vous plaît. Bon, maintenant, allons-y. Si quelqu'un, quelles sont les mains de ceux qui sont en Christ ici? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui. Oui. Très bien. La Bible dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc ça veut dire qu'on ne te connaît plus selon la chair. Donc il faut maintenant la révélation de l'esprit pour savoir qui est celui qui est dans Don Dieu. Parce que ce n'est plus Don Dieu. Ce n'est plus Daniel. Ce n'est plus Madame Orson. C'est quelqu'un d'autre qui prend place à l'intérieur. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ignorons qui nous sommes. C'est pourquoi Jérémie, se limitant à la chair de sa, à la tente de son être, dira à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, fais attention. Ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. Car avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez, dans le fait qu'il nous a connus dans l'éternité, c'est différent. Maintenant, je vous pose une question. Apporte ma chaise ici, s'il te plaît. Je vous pose une question. Bien-aimé, écoutez-moi attentivement. Vous êtes bénis d'entendre cette parole. Écoutez-moi attentivement. Je vais demander ceci. Ton âge physique est concerné dans ton acte de naissance. Quel âge a celui qui est en toi? Est-ce qu'il est né le jour de ta nouvelle naissance? Ou il a été transféré dans ton corps le jour de ta nouvelle naissance? Il a été transféré. Donc ça veut dire que cette personne qui est en toi a le même âge qu'Adam. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'il y a le même âge qu'Élie, le même âge que David. Donc nous sommes tous créés le même jour. Donc on a le même âge que cela. Mais Dieu, dans l'éternité, a choisi de nous envoyer sur la terre après. D'accord? Voilà que tous les hommes sont là. Et puis, on est tous créés le même jour, on est ensemble. Et Dieu se dit, bon, voilà les hommes que j'ai créés. Je veux aller, vous allez aller en mission. Et il prend tous les hommes, il les met en Adam. Et il dit, ok, par le mécanisme de la reproduction, vous allez relâcher tout ce que j'ai déjà créé, je le mets en vous. Et vous allez sortir pour le révéler. Dans le principe de Dieu, le Père crée et le Fils manifeste. Je sens que vous aimez la parole à ce culte. Vous voyez, le Père crée, le Fils manifeste. Donc, c'est caché en toi. Donc, les deux sont là. OK? Maintenant, il part. Adam s'en va sur la terre. Il pense qu'il est seul. Mais il n'est pas seul. Dans ses reins sont enfouis tous des milliards de personnes cachées dans ses reins. Mais il est parti comme prémisse.
Quand il échoue, il pense que c'est un échec. Mais non, ce n'est que le plan de Dieu qui est en marche. Parce que selon la Bible, Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant même qu'Adam ne soit envoyé, Jésus était déjà crucifié. Et donc Dieu choisit les hommes selon les âges. Et donc, à un certain moment du plan, vous savez, quand il y a un grand match qui se joue, vous avez des entraîneurs qui sont là, des coachs, qui regardent le match, et les gars sont en train de jouer, on analyse le match pour voir. Et comme Dieu est omniscient, il voit tout ce qui se passe. Il dit, bon, maintenant, à la première mi-temps, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, voilà les joueurs qui vont jouer. Maintenant, on va procéder à certains changements. Et on va faire descendre, après la venue de Christ, des attaquants de pointe. Et on va aussi mettre des personnes capables de faire des passes millimétrées, des passes aveugles, de façon que l'avançant se trouve à l'aise pour mettre un coup de tête ou un pied dans le but. Est-ce que vous comprenez? Et je vous garantis que quand nous entrons dans le match, Jésus est déjà arrivé avant et a marqué tellement de buts que le camp adversaire ne peut plus. Le match est déjà gagné. Maintenant, on fait sortir Christ. Et on fait sortir un élément de pointe en disant, tu vas descendre sur la terre pour montrer au diable que Dieu existe. Et c'est là qu'on dit aux neufs, ou à faut de se chauffer dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Là, je commence mes étirements dans le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Et donc, quand on dit, maintenant, c'est le moment de partir. Ma mère dit, je ne vois plus mes règles. Elle commence à vomir. En fait, ce n'est pas qu'elle vomit, ce n'est pas qu'elle ne voit plus ses règles. C'est que l'attaquant de pointe doit entrer dans le terrain. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que tu vas réaliser le plan que Dieu a accompli pour ta destinée au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Lève ta main et dis, je ne peux pas échouer. Car le match est déjà gagné. Jésus, l'avant-centre, nous a donné une longueur d'avance. Je vis la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi je n'envie personne. Je n'envie les biens de personne. Je n'ai jamais été avec un fidèle parce qu'il est riche ou pauvre. Je suis avec lui parce que c'est un être humain. Cette révélation a changé mon existence. Quand je parle avec quelqu'un, peut-être même il a une odeur de crasse et de poisse qui dégage sur son corps. Je sais très bien que ce n'est pas lui. Que celui qui est créé selon Dieu à l'intérieur. Et vous savez, on peut être talentueux, doté, mais on a besoin de coach pour que le talent s'exprime. Donc un vrai prophète, un vrai pasteur est ton coach qui te permet de faire jaillir le talent qui est en toi. Et souvent le joueur est plus payé que le coach. Mais le coach, quand il y a une victoire, on vient, on le porte, on le soulève, on dit c'est toi. Parce qu'il a su donner des conseils derrière. Vous voyez, c'est pour ça que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit serviteur de tous, coacher les gens pour qu'ils révèlent leur dessein. Vous savez, vous êtes malheureux si vous n'aimez que les gens riches. Vous comprenez de quoi je parle? Vous êtes pitoyable. Si vous ne pouvez pas vous tenir la main de quelqu'un qui n'a pas à l'apparence des hommes une valeur. Car personne dans le royaume n'est sans valeur. Celui que vous méprisez aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le futur chef d'État, personne ne le connaît? Vous serez étonné. On dit ce sera ci, ce sera tant. Mais Dieu, ses chefs, on ne les connaît pas d'avance. On ne les connaît pas. Ils sont là anonymes. Vous avez un gars ici qui va gérer une société de pétrole. Il est là. Il est assis parmi vous. Vous avez une dame ici qui va gérer la nation comme Esther. Qui va entrer dans la royauté. Elle est là parmi vous. Mais quand vous regardez, vous dites non, elle n'a rien. Elle est dans la galère. Mais Dieu l'a cachée dans ce corps. Dieu l'a cachée à l'intérieur. Parce que pour la protéger, je déclare sur ta vie que personne ne détruira ce rêve que Dieu a mis dans ton homme intérieur. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Bien-aimé, histoire vraie. Je pense à ma vie et souvent je pleure. Je pleure de surprise que Dieu m'a... J'ai dit, Dieu, tu m'as tellement surpris. Je pleure moi-même sur ma vie. Parce que si on m'avait dit, je n'aurais pas cru. Bien-aimé, notre Dieu est véritable. D'accord? Et comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Je suis. Vous n'êtes pas étonné? Un si grand Dieu, on lui demande comment tu t'appelles? Il dit, je suis.
Trois points de suspension. Vous voulez la révélation? Vous voulez la révélation? En fait, il dit, je suis un chéquier avec plein de chèques en blanc déjà signés. Je suis un chéquier. Quiconque me prend et inscrit sur le chèque ce qu'il définit que je suis, je le deviens pour lui. Celui qui s'appelle je suis, pas j'étais. Et il nous dit plus loin que ne pensez pas que mes miracles sont finis. Chaque fois qu'un homme meurt, ça révèle qu'il y a des choses nouvelles que je vais encore faire. Donc Abraham, Isaac, Jacob, Jean-Baptiste, tout ce qu'on a dans cette Bible, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a encore des chapitres qu'on peut écrire avec ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des chapitres qu'on peut écrire avec ta vie ici dans cette Bible. Il y a encore des histoires. D'accord? Il dit, je m'appelle, je suis, pas j'étais. Un jour, j'étais en train de parler avec Dieu, pasteur, et il me dit, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. Ça m'a choqué. Il dit, je ne suis pas là pour que tu ailles raconter aux gens ce que j'ai fait avec Abraham. Tu auras toi-même des témoignages dans tes messages. Et je te dis la même chose. Tu témoigneras. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu témoigneras. Dis amen. Dis, je témoignerai. Encore, je témoignerai. À la gloire de Dieu. Prenons par exemple l'histoire d'Abraham. Dieu dit, je suis. Mais pour bien comprendre Dieu, il faut voir ce qu'il a été avant. Il dit, je suis le même hier. Donc, il commence par hier. Donc, hier, c'est la bonne référence pour ce qu'il fera aujourd'hui et ce qu'il va encore faire demain. Allons-y sur Abraham. La Bible dit, un homme dont le corps déjà était déjà comment? Usé. De lui naquit une postérité dont on ne peut compter. Le corps était usé. Ça veut dire, en français, plus facile, qu'il n'avait plus possibilité d'avoir des érections. Usé. Dieu ne pouvait plus se servir de ses membres pour faire un an. C'est-à-dire, Abraham lui-même savait que c'était terminé. La femme était ménopausée. Ménopause. Parfaite et totale. Cliniquement constatée. Bon pour la retraite. Est-ce que vous comprenez? Avec le cachet des médecins. Mais sauf que les médecins ont leurs limites. Ils constatent simplement. Et le premier constat n'est pas le définitif. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qu'on t'a donné comme rapport hier, je te dis, ça va changer. Les mêmes vont te demander comment est-ce que c'est arrivé. Le même Abraham, de ce même corps usé, a été père d'une multitude. J'annonce sur ta vie que même si tes affaires sont usées, ton compte bancaire est usé, ton entreprise est usée, ton mariage est usé, tes ovaires sont usés, tes spermatozoïdes sont usés, je déclare sur ta vie que de ce qui est usé, Dieu te donnera d'expérimenter une percée exceptionnelle et miraculeuse au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un violent amen. Alléluia. Mais vous savez que Dieu aime utiliser les choses qu'on dit usées. Les hommes appellent usées. On dit t'es fini, c'est là qu'il commence. Vous imaginez un homme comme Moïse à 80, c'est-à-dire il a quel âge quand Dieu l'envoie vers Pharaon? Il a 80 ans. L'heure de la retraite a sonné depuis longtemps. La fonction publique a envoyé, a coupé le salaire depuis. Même les affaires qu'on dit qu'agents de retraités, on commence à se demander qu'est-ce qu'il attend pour mourir. On est fatigué de payer. C'est là où Dieu dit, je commence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il dit, c'est à cet homme qu'il dit, comment? Quand il lui pose la question, il dit, je m'appelle, je suis. Il s'en va en Égypte. Et il sort le peuple. Regardez ce qui se passe. Il prend le peuple. Le peuple est déjà sorti. Il dit, écoutez, avancez. Il faut lire Exode 14. Ils avancent, il dit, campez à cet endroit. Ils campent. Maintenant, il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il vous poursuive. Ça veut dire que les prières de, oh Seigneur, que Satan ne m'attaque pas, ça ne marche pas dans le royaume. Non, non. Dieu lui-même, c'est Jésus qui intercède pour dire qu'il y a l'avantage de démons. Attaquez-le. Attaquez-le. Que l'enfer se lève contre lui. C'est en fait ce que Dieu a fait. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et il a scellé 600 chars d'élite, les meilleurs combattants, face à un homme qui n'avait que le bâton. Oh, 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 oh. Le bâton. Ah. Moïse avait le bâton, mais il n'est pas autant puissant que les hommes qui ont la parole. Le bâton, c'est le symbole de la puissance dans la loi, alors que la parole, c'est dans la grâce.
C'est car c'est pour ça que quand il a refrappé le rocher la deuxième fois, Dieu lui a dit, tu ne manques pas. Parce que ce genre de promesse, ce n'est pas le bâton qui fait entrer, c'est la parole. Ce n'est pas le bâton, non, on parle. On est dans une saison où quand on parle, le rocher se fend. Est-ce que quelqu'un comprend? Je déclare sur ton rocher que maintenant tu es obligé de livrer l'eau de sa destinée au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, donne-moi un bon amen. Dans le prophétique, on ne respecte plus l'ordre. Est-ce que vous comprenez? C'est là où la loi ne sont plus respectées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La loi de la pesanteur est changée. Et la loi de l'aérodynamique prend maintenant le contrôle. Quand on est dans le prophétique, il faut être prêt à être fou pour Dieu. Et voilà le peuple qui s'en va. Les soldats viennent. Les meilleurs combattants, écho. Les meilleurs. Les meilleurs combattants, mon fils. Les meilleurs. Ils commencent à poursuivre. Et ce jour-là, le sol résonne plus fort. Ça tremble. Parce que Dieu veut attirer l'attention pour dire, regardez, les gars arrivent. Pas parce qu'ils veulent te terrasser, mais Dieu dit, je vais les faire venir. Parce que si vous traversez le désert, vous traversez la mer, il n'y aura personne pour la raconter. Vous partez de l'autre côté. Vous allez commencer à voir la manne et tout ça. Personne ne sera là. Mais je veux que les mondains voient de quoi je suis capable. Ma gloire, ce n'est pas une gloire cachée dans la maison. Non, non, non. Les gens doivent voir ce que je suis capable. Donc venez, venez, venez être témoin. C'est là où ils sont venus. Et quand ils arrivent, ils entrent dans la mer. Et regardez Moïse. J'aime Moïse. Moïse dit au peuple, gardez le courage, gardez le calme. Vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Quand vous lisez bien la Bible en Exode, Dieu ne lui a jamais dit, je vais les délivrer. Mais vous savez qu'à un certain moment, quand vous avez l'onction prophétique, quand vous êtes sous un ministère où le prophète est un homme qui est aiguisé dans l'esprit, il dit des choses et il engage le ciel. Il dit des choses et il engage le ciel. C'est-à-dire les choses que j'ai dit, le ciel est engagé. Il dit, je veille sur la parole de mes serviteurs pour l'exécuter. C'est-à-dire, aucune parole ne tombe. Ça s'accomplit. Ce que prédisent les envoyés sont en. Donc, ce qui a été prédit, année de percée miraculeuse, je te garantis, va te cacher à Korogo, ça va te trouver. Va à Mans, ça va arriver. Va à Divo, ça va arriver. À Bada, le miracle te trouvera à cet endroit. Au nom puissant de Jésus, donne-moi un bon amen, amen. Donne-moi un bon amen. Et quand ils arrivent dans la mer Rouge, le peuple d'Israël est là. La colonne de nuée se déplace. Et Dieu dit maintenant à Moïse, je vais faire éclater ma gloire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, parce que je l'ai entendu de Dieu, celle qui, ce qui va suivre. Tes ennemis, je te garantis, en 2016, tu vas les voir boire la tasse dans l'eau. Même s'ils étaient des excellents nageurs, ils ne s'appelleront pas à cette eau de destruction que Dieu va envoyer en fureur contre eux à cause de l'alliance qu'il a avec toi. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Un très bon amen encore. Le temps me manque pour vous parler des hommes qui par la foi ont saisi la grâce. Parce que la grâce ne peut être saisie que par la foi. Des hommes comme Daniel. Daniel a été arrêté, ma soeur. Ça peut arriver qu'on arrête un enfant de Dieu. Quand on le prenne et qu'on l'arrête. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a arrêté que ta destinée est muselée. On a mis dans la fosse. Les ennemis de Daniel ont commencé à danser, c'est terminé. Mais quand il est descendu dans la fosse, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la création soupire après la révélation des fils. Donc même les lions cherchent leur maître. Et ils savent qu'ils ne sont pas les rois de la terre. Donc quand Daniel est arrivé, l'ange de l'Éternel a dit, voilà ton maître. Le lion est resté à commencer à dire, mais qu'est-ce que je fais? Ils ont commencé à causer. Pendant que les gens pensaient que Daniel était dévoré, Daniel était calme dans la fosse. Et quand il est sorti de là, c'était une promotion. Je déclare sur ta vie que cette situation va provoquer une ascension au nom puissant de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi encore un très bon amen. Alléluia. De qui peux-je encore parler? Pensons à une dame comme Esther, positionnée royalement par la main de Dieu. Que dis-je? Souvenons-vous des hommes comme Salomon. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Ton histoire peut radicalement changer aujourd'hui. C'est le premier jour prophétique de dimanche pour 2016.
N'attends pas simplement pour dire, oh oui, peut-être, non, sûrement il le fera. Les années qui sont passées ne ressembleront pas à celles-ci. Je me rappelle une dame qui perdait le sang pendant combien d'années? 12 ans. Mais un jour, Jésus passait. Il y a toujours un jour où ton histoire bascule. Il y a toujours un jour où l'accélération t'est accordée. Est-ce que certaines personnes plus jeunes peuvent venir autour de moi? Toi, tu restes là, tu vas jouer le rôle de Jésus. Venez tout autour. Plus jeunes, venez tout autour. Ceux qui sont vieux et étant jeunes, asseyez-vous. Alors, Jésus, viens par là. Tiens-toi, regarde de l'autre côté. Arrêtez. Voilà, maintenant, mettez une barrière là. D'accord? Tout autour de lui. Regardez le maître. Non, voilà, le voilà. Maintenant, venez tout autour. Et vous voyez, la femme était une femme qui perdait le sang. Dans la loi, la femme qui perdait le sang ne pouvait pas avoir accès au public. Elle était rejetée par sa condition. D'accord? Elle était impure jusqu'à ce que le sang s'arrête. Mais depuis 12 ans, son sang a toujours coulé. Donc 12 ans de mise à l'écart. Mais il y a toujours un jour. Et la dame, fatiguée de considérer la situation comme étant un problème qui l'amusait, a plutôt tourné ça en opportunité pour aller plus vite. Et c'est là, quand elle est arrivée et qu'il y avait plein de monde fatigué, elle a commencé à crier impur, impur. Alors tout le monde se dégage. Impur, impur. Les gens commencent à dire, mais tu fais quoi ici? Et puis elle a la main comme ça, tout le monde fuit. Parce que personne, tout le monde fuit. D'accord? Parce que personne ne veut qu'elle la touche. Donc elle dégage le couloir. Personne n'était sur son chemin. Et elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Mais entre-temps, Jésus n'avait pas de plan pour sa guérison. Jésus n'avait pas prévu la guérir. Il partait pour prier pour une autre personne. Mais elle a dit qu'il a prévu ou pas, je prévois moi-même. Que cette année 2016, mon sang doit s'arrêter de couler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et quand elle a posé la main, la Bible dit que Jésus a senti en lui-même que quelque chose l'avait quitté. Je veux dire à quelqu'un que quelque chose quittera Dieu sans l'autorisation du ciel. Et Dieu se rendra compte lui-même que quelque chose l'a déjà quitté. Je vois ta provision quitter. Je vois ton ascension quitter le ciel. Je vois ta percée quitter le ciel. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a touché. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut toucher le ciel avec sa foi? Quelqu'un m'a touché. Vous savez, c'est ça la vie dans le royaume. Toucher Jésus et faire les choses, voir les choses changer. Je termine avec Salomon. Salomon. Quelqu'un dit Salomon. Salomon. Laissez-moi vous raconter son histoire. La mère de Salomon prenait son bain. Et David n'était pas allé à la guerre quand il fut séduit par l'apparence du corps de sa mère, qui était mariée à le bras droit de David, appelé Uri, c'était un homme de guerre. David coucha avec elle et elle tomba enceinte. Et donc, pour cacher la faute qu'il avait commise, il envoya son combattant Uri au front et il donna des ordres pour qu'on le tue. Et Uri fut mis à mort par David. C'était là un crime terrible. Mais David aimait Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de toute excitation, Dieu sait que certains d'entre nous n'avons pas été parfaits. Il connaît, il le sait. Les gens t'ont rejeté, on a peut-être dit, tu ne seras plus jamais rien. Mais Dieu dit, toutes choses coopèrent, travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous savez, les hommes sont prompts à te disqualifier alors que le ciel utilise ta disqualification pour te qualifier à nouveau, selon les plans arrêtés par le haut conseil à son égard. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là que David, d'accord, a crié à Dieu et il a pleuré, il s'est repenti amèrement quand le prophète Nathan est venu vers lui. Parce que dans le royaume des cieux, la repentance est la clé pour pouvoir passer à une dimension élevée. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de croissance. David a demandé pardon. Mais Dieu a dit, l'enfant que tu as eu avec cette femme va mourir. David a jeûné, il a prié, l'enfant est quand même mort. Et plus tard, la même femme retomba enceinte. Elle accoucha un enfant qu'on appelait Salomon. Quand Salomon allait à l'école, ses camarades de classe se moquaient de Salomon en disant, oh Salomon, c'est toi qui es né de la femme adultère. Vous savez que les dieux oublient, mais les hommes n'oublient pas. Ils sont toujours prêts à vous rappeler d'où vous venez.
ils ont commencé à se moquer de Salomon. Donc Salomon, moqué même parmi ses propres frères, j'en suis sûr, a eu un seul refuge. Trouver la consolation auprès de Dieu. Souvent, le rejet des hommes est indispensable pour qu'on soit davantage proche de Dieu. Vous voyez? Donc, il a été poussé à aller dans la présence de Dieu, à rester avec Dieu. Et la mère de Salomon aimait Salomon. Et David aimait Salomon. Et vous voyez, et il a commencé à éduquer, inculquer à cet enfant les valeurs du royaume. Sauf que quand David est devenu vieux et qu'on devait succéder au trône, il y a un autre appelé Absalom qui était considéré de ses frères, respecté, belle taille, belle figure. Il était le premier-né, considéré comme celui qui doit prendre la place. Sauf que dans le royaume des cieux, les choses ne fonctionnent pas comme dans le monde. Souvent, le choix est celui qu'on rejette. Et celui que les hommes choisissent sont celui que Dieu a rejeté. Absalom a lutté par sa chair. Mais Salomon est resté calme et il attendait simplement la consécration qui viendrait de Dieu. C'est alors que David décida de joindre Salomon comme successeur sur son trône. Et Absalom, qui s'est levé dans la fureur et a voulu être intronisé par force, est mort. Et Salomon a commencé à régner. Mais quand Salomon régnait, celui qui régnait était le fils de la femme adultère. Le fils de la femme adultère. Toutes choses ont coopéré. Même l'adultère a coopéré à engendrer le roi David, le roi Salomon. Et Salomon est devenu plus tard l'aïeul de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé, la sagesse de Dieu surpasse celle des hommes. Non, elle va au-delà. Elle va au-delà de ce que nous pouvons savoir. Dieu est plus sage que nous tous. Et Salomon, nous nous rappelons, se rendant compte qu'il était tout petit pour la tâche que Dieu lui avait confiée, est donc allé à Gabaon chercher Dieu avec des actions de grâce pour dire, Père, je viens vers toi, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple. Chaque fois que Dieu vous appelle à une responsabilité, la responsabilité surpasse la capacité humaine. Dieu va toujours vous montrer un rêve qui est plus grand que vos ambitions. Écoutez-moi très bien, Dieu rêve plus grand que le rêve que tu peux avoir. Et ce rêve-là va nécessiter que tu t'attaches à lui pour que cela se réalise. Et à Gabaon, Dieu a rencontré Salomon après ses 1000 holocaustes. Il lui a dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Pour raccourcir l'histoire, Dieu a dit à Salomon, il n'y aura plus jamais un roi qui soit autant riche que toi de ton vivant. Que quelqu'un dise de ton vivant. Encore de ton vivant. Vous savez à qui Dieu pensait quand il disait de ton vivant? Il pensait à moi. Parce que ça aurait été trop dur quand même que Dieu dise que personne ne dépassera Salomon. Nous sommes en passe d'aller plus loin que Salomon. Que quelqu'un lève la main droite et dit je vais plus loin que Salomon. Dieu est capable de choses plus grandes avec moi. Car je sais qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Et à Gabaon, Dieu a béni Salomon. Et je vais vous dire une chose. Je l'ai dit le 31, je le redis ce matin. Les trésors des nations viendront à toi. Les richesses de la mer sont tourneront vers toi. Aussi longtemps que c'est vrai, que c'est Dieu qui donne la force pour prospérer et acquérir les richesses, je déclare que tu ne mourras pas pauvre. La richesse est déjà en toi, dis Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Mais n'oublions pas, tout ce que ces hommes avaient en commun, c'est qu'ils ne vivaient plus pour eux, ils vivaient pour Dieu. Est-ce que tu es prêt pour ça? Baisse ta tête, on va prier. Dis à Dieu, je veux vivre pour toi cette année. Commence à parler à Dieu. Dis, je veux vivre pour toi. Et commence à parler à Dieu. Dis, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour réaliser les plans arrêtés. Commence à parler à Dieu.